Johnny vous souhaite une très bonne année 2018. Eh bien, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle journée de la Ligue 2 pour la journée, pour la 14e journée. Et nous allons jouer contre Valenciennes. Donc, allons-y, c'est parti pour la Dominos League 2 Competition. Et comme mon intro vous a pu vous dire, Johnny vous souhaite une très bonne année 2018. Donc, une très bonne année 2018. Et le match va bientôt démarrer. Du moins, je l'espère. Charlotte a un gros cul. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Grand rendez-vous, un seul combat. Le match va bientôt démarrer. Et nous retrouvons donc Marraine contre le Racing Club de Lens. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Mes respects, cher Grégoire. Voilà une affiche plutôt sympa. J'espère qu'on va se régaler. Ben oui, t'inquiète pas, on va se régaler comme d'habitude. On va voir ce que nous réserve ce match. Ben là, on joue contre le VAFC, donc... Ça va être un peu plus dur, je pense, que les autres matchs, car c'est quand même une grande équipe. Matchs, c'est l'une des équipes en forme du championnat. C'est normal, qu'est-ce qu'il a contrôle Azou. Hein? Ça manque un peu de solution. La passe dans la profondeur. Il est passé. Faut tirer là. En but pour le Racing Club de Lens. Elle était magnifique. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. De défense, non, j'étais en milieu droite. Milieu offensif droite. Ils n'ont rien pu faire, quand même. Rien pu faire. Rien de rien. Match. Valenciennes qui peut construire. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. La bonne passe. Valenciennes qui a déclenché la polémique après sa dernière défaite, surtout sur les choix de son entraîneur. Oui, bah comme on dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile. On peut pas lui en vouloir d'avoir tenté des choses nouvelles non plus. Allez, allez, allez. Le Bondry peut y aller. Oh, et but! Le but! 2-0, le match est trop facile. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez. On ne raconte pas que des bêtises quand même. Ah, tu racontes que des conneries quand même. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Coup à jouer, il a trébuché sur cette intervention. Alors, que va-t-il faire pour trouver la faille dans la défense? Un centre dans la surface. Ah, oh, mais qu'est-ce que j'ai raté là? Oui. Superbe tacle, il y avait danger. Sina Maridiara. Et il tombe sous la pression. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Faut non, non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. D'accord. Carton de bière. Pour repartir proprement. Loris Neri. Sina Maridiara. Le bon dribble. Il était bien présent. Il file vers le but. Le 1 contre 1, il tire.
Raté. Il est au bout de son action. Bien joué. Quelle inspiration. Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. Oh, c'était pas loin. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne. Sina Maridiara. Oudet Duplus qui est récompensé de son pressing. Il s'est fait prendre sur un ballon anodin. Oh, c'est un truc là qui repasse après au pire. Ça monte en intensité là. Quelle passe. L'accélération. Putain, allez, mais merde. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. Joli tacle. De repartir de derrière. Karaboué. Allez, plus que 5 minutes à jouer avant la pause. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Karaboué. Allez, allez, allez. Il a pris tout le monde de vitesse. Oh, la frappe. Oh, putain de merde. C'était bien joué, il faudra juste être plus précis après la pause. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Mais là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Deux buts d'avance, il mène pour l'instant 2-0. Allez, second mi-temps. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on est reparti. Passage, il n'y a pas eu de changement à la pause. C'est joué long, attention. Allez, allez. Il est passé. Allez, jusqu'au bout. Et ils alourdissent la marque. Et voilà, 3-0. C'est un terme définitif à tout suspense. Il aurait peut-être pu tirer de plus loin, mais il a dû se dire, tant qu'à faire, autant se rapprocher. C'est vrai, c'est plus facile de marquer de près. Oh, l'efficacité diabolique, hat-trick pour lui aujourd'hui. Et les défenseurs doivent en avoir marre de lui. Il les a fait tourner en bourrique pendant tout le match. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Il progresse encore. Il file dans l'axe. C'est une occasion, ça. Ça peut rentrer cette fois. Oh, putain. Oh, elle était malée. Oh, je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer, ce but. Je vais l'enregistrer. Et le gardien qui passe complètement au travers, ça fait but. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive. Rendez-vous compte, il a marqué 4 buts à lui tout seul aujourd'hui. Contrôle de ralenti. B, attention, comment c'est? Sauvegarde des ralentis. Allez. On a sauvegardé. On ira voir les buts. Intouchable. Le Racing Club de Lens qui... Et dire que je croyais qu'avec le VAFC, j'allais galérer, mais non. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Il file vers le but. C'est bien. La tentative. Il avait tout mis trop dans fort. Cette frappe. C'était une bonne frappe, mais peut-être qu'il a le corps un petit peu en arrière. On sait de quoi il est capable. C'est vraiment un joueur à part. Du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie.
Là, il y a un vrai engagement. Roudet. Accélération. Ça joue à gauche. Il y a peut-être un coup à jouer. Il peut centrer. Quelle détente! Oh, c'était mal. Putain, il est sérieux, il a raté juste devant le but. Il l'a raté juste devant. Le but a été fait, il s'était mis en position de tir et il manque son dernier geste. C'est incroyable. Il a pris tout le monde de vitesse. Il peut frapper là. Oh oui. C'est une véritable boucherie à laquelle on assiste. Non, c'est une correction plutôt, une correction. Bon, honnêtement, je commence à avoir mal pour eux. Ouch. Mazou qui inscrit là son premier but de la saison. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Oh, le voilà qui accélère encore. C'est bien donné. Il file dans l'axe. Oh, il l'a récupéré. Et je crois qu'il y a faute, c'est ça. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à voir. Oh, ça va, c'est qu'un jeune, ça va. Il a dû souffrir là, j'espère que ce n'est pas trop grave. Alors là, soit il a surestimé ses talents, soit il n'a pas réfléchi. Une faute, ce n'est jamais anodin. Attention. Le gardien loin devant. Loris Nery. Oui, c'était bien parti, mais c'est pas allé au bout. C'est joué long, c'est dangereux. C'est récupéré facilement. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il joue dans l'espace. Elle continue sa course. Il est passé. Allez, c'est dangereux. Une frappe puissante. Putain, j'ai cru qu'il était dans le but. J'ai cru qu'il était. Bon, je parle pas beaucoup parce que. Bon, c'était pas loin. Je suis concentré, je suis un peu dans mes pensées. Chaque prise de balle. Parce que j'ai des petits soucis personnels. Donc, je pense un peu, mais. Donc, en fait, je suis pas du tout dans le match. Enfin, pas du tout. Je gagne quand même 5-0, mais bon. Je parle pas beaucoup parce que, comme je vous ai dit. J'ai des petits soucis personnels que je n'expliquerai pas. C'est plus du marquage, c'est du harcèlement. Ça ne vous regarde pas trop. Pour qu'il réagisse. Donc voilà. Il prend sa chance. Quel but. Ah ben voilà, c'est zéro. Oh là bah ouais. Là. Plus on est fou, plus on rit. Enfin, plus il y en a, plus on rit. Mais quel match de folie. Mais quel raté, il y en a encore. Quel match, 5 buts, manita, disent les Espagnols. Roudet. Et il n'arrive pas à se rapprocher. C'est normal, il joue comme un pied. Loris Nery. Le ballon sort en touche. Le ballon sort en touche. Il y a peut-être un coup à jouer. Cherche un quick et la tête. Trop. Mais deux fois qu'il le rate, mais alors qu'il est juste devant. Non mais sérieux quoi. Valenciennes. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. On l'a senti dès le début de la rencontre, ils étaient là aujourd'hui pour attaquer, pour marquer, pour faire une vraie différence. Ils y sont parvenus avec maestria. Que retenez-vous de cette rencontre? Ce but en début de match leur a fait beaucoup de bien, ils ont pu jouer plus libérés après ça. Et ça se reflète forcément dans le score final. Voilà. C'était vraiment une belle soirée d'arène, un beau match, on s'est régalé. On se retrouve très vite. À bientôt. Eh bien, ce n'était pas un bon jour pour nos joueurs.
Et bien voilà, c'est la fin de ce match. J'espère que celui-ci vous a plu. Nous allons regarder tout de suite le classement de cette saison. Et nous passons deuxième. Et j'ai jaloux. Nous sommes deuxième dans le classement de la Ligue 2. Donc impeccable. Le RC Lens deuxième. Du jamais vu. C'est normal. C'est dans un jeu. Voilà. Il fallait le dire. Non, j'avoue que le RC Lens joue très bien en ce moment. Car ils ont niqué Boulogne-sur-Mer il y a deux jours. Donc ça, bravo à vous. Hein, parce que je déteste cette équipe de merde. Hein. Boulogne-sur-Mer, franchement. Je déteste cette équipe. Donc, merci à vous de leur avoir mis une bonne raclée. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait sur la chaîne. Et de mettre un petit commentaire sur cette vidéo si elle vous a plu. Merci beaucoup et à bientôt.